Voici donc le numéro 7, Arblou, qui présente un pourcentage de 59,62%. Un fils du jeune Arès de la Brunie. Maliblou, pardon, du tout nu. Maliblou du tout nu. Pas bon, c'est une fille de Blue Boy. Il nous est présenté par Maurice Hill, qui vient de Henri Matt. Alors, Maurice Hill, c'est un grand habitué des concours et des podiums de course. Maliblou du tout nu. Elle a pris une place seulement à 3 ans en plat. Mais elle a fait avec Hergé dedans un très bon cheval nommé Carblou, qui a terminé 3e de plusieurs épreuves classiques, dont le fameux prix du ministère de l'Agriculture à 37,5 à Tarbes. Ensuite, avec Vertigineux, 1%, elle a fait une gagnante, Vertiblou, une gagnante de l'une de ses deux sorties cette année à l'âge de 3 ans. Et ici, Arblou est le 3e produit de Maliblou du tout nu, puis donc de Blue Boy. Donc, beaucoup influé dans la souche anglo-arabe. On en parlera un petit peu plus tard. Pardonnez-moi si vous avez vu de bénévoles flamands et de nombreux bons chevaux. Et c'est la famille Laborde, c'est-à-dire la deuxième mère Mangaline, la propre sœur de Mangarose, qu'on a vu déjà à 2 reprises en tant que père de mère et dont on va parler à plusieurs reprises au cours de ce concours. Donc, Maliblou du tout nu est la sœur de Mangaloo, qui elle-même est mère de Manitoba, et Manganour, et Mangara, et Mangasson, que des grands vainqueurs dans le registre de l'Anglo-Arabie, dont la plupart ont été exploités par Robert Nicolas et Lady Brown, l'entraîneur.